vous parler maintenant d'un démontage que j'ai utilisé durant cette semaine de pêche. Donc c'est un petit blowback rig. Alors pour le réaliser, j'ai tout d'abord pris une bonne longueur de liquid wire. Donc c'est une tresse plombée, très souple et très lourde, qui va épouser parfaitement les contours du fond pour un maximum de discrétion. Donc je suis venu ensuite y placer un clip plomb vraiment classique qui va libérer mon plomb en cas de besoin et seulement en cas de besoin. Donc on va pas perdre de plomb inutilement à chaque départ. Le but c'est pas de polluer les étangs ni de perdre des plombs et de l'argent dans l'eau. Ensuite je suis venu y placer un émerillon, vraiment de tout ce qui est de plus classique. Et sur cet émerillon, j'ai placé en fait une agrafe rapide pour pouvoir mettre des sticks plus aisément. Et un manchon en caoutchouc pour protéger le tout. Ensuite, pour mon bas de ligne, j'utilise l'Xtremity 30 livres couleur marron. Alors pourquoi marron? Tout simplement pour être raccord avec les couleurs du fond de l'étang. Et comme vous pouvez le voir, c'est un bas de ligne assez long, puisqu'il fait environ 30 cm de long. Alors pourquoi une telle longueur? Tout simplement parce qu'on pêche sur des fonds très vaseux. Donc on a opté pour des bas de ligne d'une longueur supérieure afin d'être sûr que ça pêche proprement. Voilà tout. Ensuite sur ce bas de ligne, je suis venu y placer un insert en tungstène, ce qui va me permettre de plaquer mon bas de ligne sur le fond, toujours pour, par souci de discrétion. Ensuite, j'utilise un hameçon, un classique hook boilie série Teflon numéro 4. Un hameçon que j'utilise beaucoup. Ensuite, sur cet hameçon, je suis venu y placer un morceau de gaine thermorétractable pour accélérer entre guillemets le pivotement de l'hameçon dans la bouche des poissons, afin de les piquer plus rapidement et pour rendre le montage en fait plus efficace. Et un micro-anneau. Voilà, c'est un montage vraiment très classique, très efficace et que je recommande, que ce soit pour des présentations denses, équilibrées ou flottantes, ça marche pour tout. Voilà. Allez, à plus tard.